J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez rapide et pour tout vous avouer, j'avais vraiment pas du tout prévu de filmer une vidéo aujourd'hui mais en fait le livreur est passé tout à l'heure et j'ai reçu cette petite chose, enfin plutôt cette grande chose que vous voyez derrière moi et il fallait absolument que je vous en parle dans une vidéo, je pense que ça va en intéresser plus d'une donc si vous voulez savoir la suite, eh bien restez là. Donc voici le tableau dont je vais vous parler durant toute la vidéo. Pourquoi ce tableau? Je pense que beaucoup d'entre vous vont penser « Non mais attends, c'est juste un tableau blanc marqué Prada Marfa en noir dessus, quel intérêt ?» Mais pour d'autres, du moins celles qui suivent la série Gossip Girl, vous le connaissez forcément, ce tableau ne vous est pas inconnu. C'est le fameux tableau que l'on voit lorsqu'on on voit la maison des Van Der Woodsen, c'est le tableau qu'il y a dans leur entrée. Et honnêtement, ce tableau me fait de l'œil depuis que je suis Gossip Girl, donc depuis des années. Et franchement, je suis hyper contente de l'avoir enfin. C'est vraiment un tableau que j'adore. Pour celles que ça intéresse, où est-ce que j'ai trouvé? Alors non, ce n'est pas le tableau originel, puisque le tableau d'origine coûte aux alentours de 400 euros. Oui, oui, oui. 400 euros, vous avez bien entendu, et honnêtement mettre 400 euros dans un tableau non merci, vraiment c'est non merci, no way, sachant que c'est que de la décoration, donc voilà, moi je suis pas du tout du genre à dépenser des 1000 et des 100 dans de la décoration, donc voilà, en tout cas ce n'est que mon avis, et donc... Comment ça se fait qu'il est ici à cette place, sachant que ce n'est pas l'originel? Donc ce n'est pas une copie non plus, enfin si c'est une copie, mais c'est pas une vraie copie, puisque les copies coûtent aux alentours de 100 euros, donc pareil 100 euros c'est beaucoup trop cher, honnêtement, non j'ai pas envie de mettre 100 euros dans la décoration, dans un tableau. Donc en fait tout simplement ce tableau vient du site photosurtoile.com, donc c'est un site où vous pouvez créer vos propres tableaux sur toile, avec les photos que vous voulez, et franchement j'aime beaucoup beaucoup ce site, donc ce site je l'avais découvert il y a quelques temps maintenant, lorsque j'avais lu un article de Julie World of Beauty où elle parlait de ce site, et il y a à peu près une semaine, je me suis mise à rechercher en fait ce fameux tableau, et c'est là que m'est venue l'idée d'aller voir sur le site photo sur toile si je pouvais pas le reproduire avec une photo. Donc tout simplement j'ai pris une photo sur Google Images et voilà, je l'ai ensuite transférée sur le site et franchement ce site est juste génial parce que vous pouvez choisir mais beaucoup de choses, vous pouvez choisir les matériaux que vous voulez, donc c'est-à-dire soit de la toile, soit du plexi, vous pouvez également même choisir la taille du châssis, vous pouvez également choisir les couleurs. Enfin, si vous voulez que ce soit mat ou soit brillant en noir et blanc avec des effets, bref c'est juste vraiment top top top. Après ce qu'il faut savoir c'est que les critères de base sont gratuits, mais après si vous rajoutez d'autres critères plus importants, le tableau va augmenter au niveau du prix, donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc celui-ci doit faire 60 par 80 ou 50 par 80, bon, je mettrai les vraies dimensions ici. Donc j'ai pu avoir ces dimensions là, bon bien sûr vous avez à chaque fois le choix entre plusieurs dimensions, 4 ou 5 dimensions, mais ces 4 dimensions là vous allez les avoir en fonction de la taille de l'image que vous avez donnée à la base, donc voilà. Au niveau prix, très important, donc je ne l'ai pas payé 400 euros, mais je l'ai payé 31 euros frais de port compris. Alors pourquoi 31 euros? Donc à la base, ce tableau-là, c'est ce format-là, coûte 89 euros si je ne me trompe pas. Mais en ce moment, tous les formats sont en réduction, sont en promotion. Donc je crois qu'il y a moins 40 ou moins 50% sur chaque format. Donc ça me l'a baissé à 39 euros. Et en plus de ça, j'ai pu bénéficier d'un code promo que j'ai trouvé sur le blog d'Esa Makeup, il me semble. Je vous mettrai le code promo en barre d'infos qui donne à... moins 30 ou moins 20, je sais plus. Bref, je vous mettrai toutes les informations ici et en barre d'informations, donc n'hésitez pas à dérouler cette barre d'informations. Ce qui fait que de 39 euros, je suis passée à 31 euros, frais de port compris, sachant qu'en ce moment, la livraison est offerte. Voilà, et ça vient par transporteur, donc par le biais d'UPS. C'est envoyé d'Allemagne, il me semble, et je l'ai reçu en 8 jours. Voilà, je l'ai commandé le samedi soir.
Donc j'ai commandé samedi soir il y a 8 jours et je l'ai reçu aujourd'hui lundi. Donc voilà, donc ça a mis plus de temps parce qu'il y avait un pont entre temps. Mais voilà, donc franchement c'est hyper rapide. Et ce qui est bien également, c'est que vous pouvez suivre votre colis grâce au numéro de suivi que vous avez, qu'il vous envoie lorsque votre colis est expédié. Voilà, au niveau de l'envoi, je l'ai reçu dans un très 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 grand carton et le tableau était lui-même enveloppé de papier bulle, donc ça hyper hyper bien, bien scotché, etc. Donc très très bien au niveau livraison. Avant de terminer la vidéo, je voulais absolument vous présenter le vernis que je porte actuellement. Je l'ai acheté il y a quelques jours et j'en suis red dingue. Je suis vraiment red dingue de ce vernis et de cette marque. Faut absolument que je vous en parle et de toute façon je vous en reparlerai dans mes favoris du mois de mai. Et donc c'est un vernis de la marque Formula X en teinte pyrotechnique et c'est un magnifique rouge quoi. Honnêtement il est juste trop 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 beau et voilà, de toute façon je vous en reparlerai, c'est obligé. Voilà les filles, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et franchement ce site est vraiment très bien parce que vous pouvez faire n'importe quelle photo d'un tableau et ça c'est juste top. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura aidé et j'espère vraiment que ma vidéo aura aidé toutes les personnes qui cherchaient jusqu'à présent ce fameux tableau que l'on voit dans Gossip Girl et voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à aller voir dans la petite barre d'informations puisque tout sera inscrit. Et voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye !